Donc me revoilà, on va monter les tampons. Alors si je me souviens, il y a un côté qui colle et un côté électrostatique. Donc il faut juste que je me rappelle c'est lequel. D'accord. Donc là le côté où ça dépasse, où il y a les écritures, en fait c'est le côté collant. Donc on va venir après coller le tampon. Je vais prendre un morceau, à peu près, je vais venir couper. On va coller et on coupera ce qui dépasse après. Après, chacun a sa technique pour le faire, moi je fais comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pris un morceau et je crois qu'en plus, j'ai pas pris dans mon côté. Ok, j'ai pas pris dans mon côté. Bon, c'est pas grave, je vais prendre pour celui-là, tant pis, je vais gaspiller. Mais ah, je me suis trompée, je sais pas. Faut pas couper dans ce côté-là, c'est dans l'autre côté, bah oui. Côté où ça colle, parce qu'après, bah, ça passe plus. Je fais que des bêtises, ça fait longtemps que j'en ai pas monté. Donc là, on va enlever la partie où il y a le collant. Hop. Non, mais je vais y arriver. Je vais juste passer un coup dessus. Ah bah, je crois qu'il y a marqué les prix derrière, non? Ah bah non, il n'y a que celui-là. Il est marqué 3,95. Je crois que c'est le prix que j'ai payé, mais les autres, il n'y a pas marqué. C'est pas donc je vais passer un coup comme ça, on va venir le coller sur la mousse et on va venir couper ce qui dépasse. Donc là franchement oui, il y a du gaspillage, je me suis trompée évidemment. J'ai pris le mauvais côté, mais c'est pas grave. Heureusement que j'ai pris deux mousses parce que. Voilà. Donc là, je coupe ce qu'il y a autour, ce qui dépasse. Et là, le tampon est monté. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. C'est juste que moi, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Je ferai attention pour les prochaines. Hop! Donc là, je vais prendre. Est-ce que ça passe? Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai pris le bon côté. Donc je vais couper un morceau. Voilà. Ensuite, vous enlevez la protection et vous venez le coller. Voilà. Il y a une paillette qui est restée coincée. Voilà. Hop. Donc là, je vais couper ce qui dépasse. Il n'y a pas grand-chose. Cette fois-ci, j'ai fait attention. Voilà. Voilà. Hop. C'est monté. Après, on enlève la protection et c'est électrostatique pour aller sur les blocs acryliques. Donc là, j'en ai déjà fait deux. On va pouvoir en faire un autre. Un qui passe. Donc là, ça tombe bien. Oui, c'est... non. Je me fais encore des bêtises. Hein. Je vais me mettre. Donc là, normalement, c'est bon, comme ça. Voilà, hop, on enlève la protection. Là, j'enlève ce qui dépasse.
Voilà. Donc je vais continuer les autres et je vous retrouve juste là. Ah, ça me colle. Donc il m'en reste plus que deux. C'est pas évident parce que les tampons ne sont pas forcément coupés droit. Donc c'est pas toujours évident. Tac. Donc en fait j'ai utilisé que une mousse à monter, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, pour une prochaine commande sûrement. Il y avait d'autres petites choses qui m'intéressaient, donc on verra. Je sais pas si je repasserai une commande tout de suite, mais il y avait d'autres tampons qui me plaisaient. Donc voilà, rien de compliqué. Puis ils m'ont offert deux petits cadeaux, franchement vraiment sympa. Donc une, dès que vous dépassez 30 euros de commande, donc 35 euros. Donc comme j'en avais pour 30 euros, j'ai pris un autre une petite chose en plus. Et puis du coup, j'ai été arrivée à 35 euros. Et du coup, j'ai eu le petit chat. En fait, vous avez du choix. Vous pouvez choisir avec... Il y a plusieurs tampons en cadeau. Donc vous choisissez. Moi, j'ai pris le petit chat. J'hésitais avec un tampon... Bon point pour faire un album photo de classe ou quoi que ce soit, et finalement j'ai préféré le petit chat. Donc voilà le dernier. Voilà. Donc prenez un bon ciseau pour couper parce que c'est quand même assez épais et assez collant. Ça colle très bien. Je crois que la plupart des tampons comme ça montés à monter comme ça, je les avais achetés là-haut. Ils font des très jolis tampons. Vous avez pas mal de choix, hein, franchement, pour toute occasion, anniversaire, mariage, Noël, Halloween. Je sais pas si je les ai rangés où les autres. Je crois que mon logement il va être trop petit à force. Donc tout ce qui est en bleu, c'est là-haut que je les avais achetés. J'avais acheté le petit panier à l'époque pour Pâques avec Joyeuse Pâques. La petite pancarte ici. Voilà, bonne fête. Bonne fête, bonne année. Enfin, des choses comme ça. J'ai surtout pris des écritures. Vous avez même ici le petit petite chose là. Plus grosse la peine. Donc voilà, j'avais acheté surtout là-haut. Il y a pas mal, franchement beaucoup de choix. Donc je vous redis le nom de la boutique, c'est la Compagnie des Elfes. Donc, franchement super, donc plus qu'à les essayer. Donc voilà. Et du coup, oh bah ça s'est décollé, je crois. Non, ça s'est décollé. Bon, je recollerai après. Du coup, pour ensuite coller sur bah là, poser là ou sur les plaques comme les blocs acryliques, là vous pouvez pas, il faut enlever la protection ici. Il y a un papier, voilà, il y a un papier blanc, voilà, et après c'est voilà, électrostatique, vous pouvez mettre sur le bloc et voilà, il est prêt à tamponner maintenant. Donc je vais pouvoir les rangé avec les autres. Donc voilà, super, franchement ils sont trop beaux. Donc plus qu'à faire une petite carte avec ou des petites créations avec. Voilà, voilà pour mon ouverture enfin de ma commande de la Compagnie des Elfes. Voilà, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.